monde, je suis Danfield et aujourd'hui on est reparti sur Sons of the Forest, le dernier petit jeu des créateurs de The Forest. Et je suis tout seul. Ah, ou pas. Je vois que... on a de l'arrivée. Oh non. Donc alors je suis accompagné par Maïmé. Salut. Par Teko. Hello. Par Angel. Hello. Et c'est tout. Lui, le <Dégage. rire> Bon, et le petit crabe de Bretagne, l'exemple s'est levé. Bon, allez, c'est parti, allez, on loot. Et, tiens, quelqu'un sauve le pauvre Kelvin qui pleure depuis tout à l'heure. Vas-y, moi j'en veux pas. Est-ce qu'on a vraiment envie de le sauver, Kelvin? Ouais, qui crève dans sa bouse, là. Vas-y, je le sauve. On est déjà beaucoup, on a beaucoup de bouches à nourrir. Ouais. Vous avez pas besoin de quelqu'un qui va bosser gratuitement pour nous, non? C'est. Il y a déjà toi. Il faut l'envoyer couper du bois, parce que le d'ailleurs, tu sais, Dan, regarde, j'ai looté un truc sur l'île très rigolo. Arrête-toi, stop. C'est pas moi, là. Ah. Ah là là. Incroyable. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, on doit décider d'une chose. S'il y en a besoin, on bouffe Xav. On est d'accord. Alors, je suis pas sûr que c'est sur moi qui ai le plus à bouffer, Dan. Ah bah, à mon avis, tu dois rapidement faire ton petit stock de nourriture dans le coin, piquer à la communauté. Ouais, c'est et, vrai. Alors, bon, je crois qu'on est bon côté ressources. On peut y aller. Vous avez tous tout ramassé? Ouais. Yes. Ouais. Et on confirme, tout le monde peut ramasser ce qu'il y a dans tous les coffres. Ils ne sont pas, ça c'est pas le premier servi, le premier servi, voilà. Premier arrivé, premier servi. Heureusement, parce que sinon, on aurait déjà tout pris. Donc, alors, on a repéré un bon petit coin là-bas, c'est ça? Ouais, sur la droite, là, j'ai l'impression qu'il y a, déjà, il y a une valise. Voilà. D'accord. mais Teko, t'as renversé la valise? J'ai renversé la valise, mais tu me l'as jeté à la figure en même temps. Bah, c'est bien fait. Ouh, il y a des munitions. Là, il y a pas mal de choses. Oh, le pigeon! Oh! Une mouette! Allez, ça dégage, les mouettes. Ah, et tu as pu la dépecer, Exam? Ah, je suis en train, là. Ah, bah, on peut tous dépecer le cadavre, du coup, c'est... D'accord. Chacun a le droit à sa bouffe. On prend chacun une petite miette de mouette. La pauvre mouette, elle prend ouais, si cher. Et Kina, qui nous a quitté juste après la session ce test, bah, heureusement pour elle, parce que... En vrai, ouais. Ici, ça va être pas mal, hein, t'as raison. C'est pas mal, ici, hein. Par derrière, contre, il faudra peut-être faire un escalier, non, un moment, pour monter la falaise rapidement, si on veut explorer. Ah bah, c'est toi qui va construire les choses pour nous, hein. Je pense qu'il y a moyen de... Ok. Par contre, il y a... Ah, ok, on va plutôt se mettre à côté de la forêt, là, juste ici. Ok. Non, elle est grimpable. D'accord. Ici, ça vous convient? Allez. Oui. Bah, c'est parti. Alors, hop, on va équiper. Et on commence à couper les arbres. Ah, j'ai pas ouvert mon kit de... Où est ma souris? Ah oui, ok. Tu mets la petite pop-up avant. Ah, ouais. Ça déforeste tout, hein, comme d'habitude. Hop. Bien. Ah, on a des petites baies à côté, faut faire attention à pas péter le buisson à baies. Ah, mais mince, alors moi je tape comme un sourd sur tout ce qui dépasse. Hein. Pourquoi je suis pas étonné? Fais gaffe parce que tu vas dépasser. Équiper ça. Voilà, on va peut-être équiper la hache, les baies. Parfait. Et donc là, je fais quelque chose qu'on m'a dit de faire tout le temps, voilà, pour récupérer rapidement. Ouais, alors ici. Est-ce que t'as déjà un emplacement pour construire ou pas? Ah, bah attendez, je vais le faire. Avec les rondins, on va se mettre ici. Peut-être tu préfères un autre endroit? Là en fait, on risque d'être gêné par cette pierre qu'on ne pourra pas bouger, donc faut peut-être mieux c'est un se peu plus décaler. Loin. Ok. Ouais, surtout si on veut s'agrandir, je pense que la pierre, on peut s'en servir comme point de départ limite pour commencer une clôture ici qui fera le tour ici en fait jusqu'à la falaise. Ok. Attention à vous. Qui a fait des il y a de l'arbre qui va tomber. Les deux pierres là, on pourra se faire tout notre coin base quoi. Entre les deux grosses pierres. Qui fait un bel espace. Ouh, ça s'adapte au sol, ça fait bizarre. Donc on fait une maison 3 sur 3 pour le début? C'est un peu ambitieux, mais... Vas-y. Hein. On peut 4 sur 4 même, on est beaucoup, on a besoin de confort. D'accord. Tu ronfles. Et je grince des dents. Hop. C'est vrai. Donc 4 sur 4, ça va prendre pas mal de la plage. Hein. Ouais, bah, on est là en conquérant. Hein. Il y a certains qui placent les rondins plutôt que... D'ailleurs, faudrait essayer de voir aussi si on peut construire sur l'eau comme on l'avait fait là,
Ça doit être... Oh, merci pour le coup. Oh, je t'ai littéralement jeté les rondins à la face. C'était incroyable. On a un petit problème pour la construction. Venez voir là le... Ah, ça s'enfonce dans le sol. Ah non, ça fait comme ça, d'accord. Ah, ça remonte. D'accord. Excellent. Ouais. Là, je peux pas continuer là. En bas. Si. Parfait. Par contre, je sais pas comment dropper les rondins sans l'envoyer à la figure. Pourquoi vous les stockez comme si vous les placez en fait? C'est G pour jeter les rondins. Ouais, mais ça les jette, mais vachement violemment. D'accord. Non, mais c'est toi qui construis, du coup, on monte les drops à tes pieds. Quoi. Vous allez regretter hein, le 4 sur 4, je le sens parce que. Ah bah faisons du 3 parce que sinon la porte elle sera pas centrée. Donc j'allais dire partons sur du 5. Ouais, j'ai fait un père normalement, j'ai rien dit aussi. Eh, les rondins ils glissent dans l'eau gentiment hein, sans vouloir vexer personne. Ouais. On va faire un petit arrêt. Ok. Alors je dois vous montrer un truc, je viens de le trouver, c'est absolument incroyable. Vous avez vu l'animation? Ouais, alors on a surtout vu que le rondin il s'est pété en deux. Ah, alors je ramasse le rondin qui est sur le sol, je mets le mien comme pilier, je le coupe au milieu. Ah, c'est trop bien. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment incroyable. Ils ont vraiment beaucoup plus travaillé que le... Ah ouais, ouais. Oui. Très valide. Ouais, bah du coup, c'est parti, on fait le sol et tout. Ah, il faut faire également les supports, ouais. Oh, ok, je m'en trompé, c'est pas grave. Ouais. Bravo, j'ai tout vu, hein. Je vais couper ça dans l'enregistrement. Ouais. Tous mes échecs vont disparaître. Hop. Ok, donc là, on a ça. Ah, ouh, ça prête une petite entrée. J'ai mis un mini rondin. Ah, ça fait quoi quand tu mets un mini rondin? Ah, ça va un petit pile. C'est pas ouf. Ah, ça peut faire une fenêtre. Oh bah non, de toute façon, il faut vraiment le... Comment on fait pour l'enlever? C'est regarde et c'est. Et ça, je vais laisser dedans ton échec. Comment je fais Ah, voilà. Ouais. Le sauveur. Alors, on n'a pas la même idée. Enfin, ça va être différent là. Les supports, ok. Regardez les supports du sol. Dans un endroit, c'est vertical. Dans l'autre, c'est horizontal. Mais c'est pas grave. Ah ouais, mais, j'avoue. Mais pourquoi? Comment t'as fait le... Attends, je veux absolument réussir à faire le parquet, là. Quand tu regardes vers le sol, ça va te faire deux flèches qui s'écartent et qui... Ah, d'accord, ok. Oh, trop cool. Et ce qui est génial, c'est que si tu as juste un espace pour le parquet qu'il faut mettre, eh bien, il te garde, il te jette le deuxième morceau sur le côté, quoi. Et ça, c'est incroyable. C'est trop bien. Ouais, ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Ça me rappelle un petit peu Castle Story, enfin ça me rappelle le contraire de Castle Story, où ils te font perdre le bloc complet même s'ils n'utilisent que la moitié. Oui, ouais. C'est vrai que t'allais dire ça me rappelle mon enfance. Du coup, la tienne peut-être, tu vois. Ouais, tu étais menuisier petit, non? Je sais pas. Non. Mais en fait, si tu veux qu'on fasse on a eu chaud tous les deux. Peut-être. Mais du coup là c'est... Je me sens troublé par... Vous allez me faire râler, vous le savez. Hein. Je suis relou avec les constructions. Mais c'est le quoi? Les traverses, elles sont... Vous les avez pas mis dans le même sens? Aïe! Les traverses, vous les avez mises de travers, donc... Après, j'ai envie de tout casser, de tout refaire là, je vous le dis tout de suite. Bah alors on peut juste casser le côté que l'on a fait là, le côté au bout et... De toute façon, c'est pas perdu hein, les ressources. Bah vas-y, casse. Hein. Mais allez. Angel, t'arrêtes de nous envoyer des pains. C'est clair. Mais Angel, elle vous vise. tu lui as peut-être dit quelque chose qui l'a vexé en début je de... Je sais pas, mais... J'en prends pour mon grade, là. T'es dessus. C'est dingue qui marche sur le fond de ta compte. Non, j'étais en train de régler le problème. Du coup, ça voulait pas me placer comme ça. Oups. Ah, c'est quand même beaucoup plus propre, là, on est d'accord. Regardez-moi ce superbe sol. C'est pas mal, hein. On a de quoi marcher. C'est super. Faut surveiller l'heure au cas où pour quand même pour se préparer un feu, tout ça. Ah oui. Bah peut-être le feu va s'éteindre avec la pluie. On en a depuis tout à l'heure, donc. Il est 14h. Comment tu vois l'heure? Sur M avec le GPS. Ah oui, ok. Bon bah maintenant, il faut faire les supports pour les murs et le toit. Allez. Et est-ce que vous avez vu, c'est très sympa aussi quand l'arbre tombe,
Il y a l'écorce qui se casse aussi avant de disparaître. C'est plutôt sympa. Ah là, ils ont vraiment bien bossé sur les animations et le réalisme. Hein, c'est les détails, ouais. Mais qui sont plutôt cool. On n'a pas vu de crabe, par contre. Pas encore. Pas encore. Mais on prépare notre invasion, t'inquiète pas. De requin. Et là, il va falloir beaucoup de bourrondins, par contre. Hein. Ça, c'est les murs. Et d'ailleurs, au niveau bouffe, je sais pas quels sont les stocks. Alors, regardons. Moi, j'ai un de bouffe. Ah, et on peut faire le petit feu. Ah bah tiens, il pleut plus. Je vais faire le feu. Comme ça, on va pouvoir faire cuire notre bouffe qu'on a looté sur la mouette. Ouais, ok. Il me faut des... Est-ce que j'en ai assez? Et on peut regarder, comme on est sur la comme on est sur la plage, s'il n'y a pas des tortues dans le coin pour avoir des carapaces. C'est vrai. Des réservoirs et pour avoir de la viande aussi. Ça, on me l'a dit en live, hein, ça. La tortue Je suis passé à côté, c'était catastrophe. C'est un crève-cœur, mais c'est... Est-ce que comme dans The Forest, est-ce que tu peux faire de la luge avec la carapace? C'est ça la vraie question, je trouve. Tu pouvais faire de la luge avec la carapace? Ah, bien sûr. Ah, je vois... quelqu'un a demandé à Kelvin de ramasser des branches? Non. Parce que là, il est en train d'en ramasser et... C'est moi. Non, c'est pas toi, hein. C'est lui. Non, mais c'est elle qui a donné l'ordre. Ah, d'accord. Ok, bah j'ai ce qu'il faut. Alors par contre, il faut juste un petit peu de cailloux et je reviens. Et on fait le feu de camp. Ce qui pourrait être intéressant d'ailleurs, du coup, de se faire avec les brindilles, c'est des stockages. Ah oui, bah tiens, je vais en avoir pas, mais... Dan, j'ai trouvé des tortues. Alors. Angel, là-bas. J'arrive. Et normalement, une tortue pour tout le monde, non? Vu qu'on peut looter tous, dépecer tous la même créature. Ah bah ouais, de ouf. Alors. Ah, la pauvre. Bon, alors, quelqu'un donne un coup, pas qu'on se... Qui veut du mauvais karma? Il vaut mieux l'attaquer à la lance. Hein, Et quel barbare. Je brasse l'air, littéralement. En fait, il faut l'attaquer à la lance. Ah, je crois que c'est bon, là. Je mets ce qu'elle mérite, Alors, j'ai une carapace, je sais pas si vous allez avoir la vôtre. Ouais. C'est bon. Oh. Oh là. Oui, il y a de la viande. Non, mais... Oh, y a quelqu'un qui vient... T'es con, viens manger la viande. Oh purée, hein. On est mal parti, on a qu'un animal au groupe. Il veut du sang, Téco. Je suis l'imposteur. Il a pas le temps. Ah non. J'ai pas voulu tout ça. Il a vu de la viande, il a pas pu résister. Oh là là, de la viande crue, saignante. Bon, alors, je nous fais le petit feu. Je vais le mettre devant... Non, je vais le mettre plus proche de la forêt. Pour le moment. Je sais pas, Angel qui est en train de dépecer la tortue, là. J'arrive pas à voir, moi. Fais-toi plaisir, Angel. Il me le donne pas. Hop. Tu mérites pas, c'est pour ça. On lui prend son intérieur. C'est encore plus terrible que dans le premier, Je suis quand même au-dessus de toi avec une hache. Et ben moi, je viens de me crafter une lance, je suis invincible. Voilà, on a un petit feu de camp. Oh là. Très bien. Oh là, les barbares, comment on dépece la tortue, c'est horrible. Vous êtes toujours dessus, mais laissez-la tranquille, la pauvre. Il y en a une deuxième. Non, mais il y en a une deuxième. Ah bon, Angelo aussi, t'as mangé. Ah non, elle est partie. Ah, là. Oh, il y a des mouettes, par contre. Là, sortez vos lances. Allez, c'est parti. Ah, et j'ai eu des flèches. Des flèches, des plumes, tu racontes. Ouais, je pense dans le futur, moi, en fait. Ouais, reviens avec nous, là. Ouais, donc si vous voulez faire cuire... Oh, je crois que ça a grillé. Non, elle était cuite. Ça, viens voir, là. Regarde-moi. Qui, moi? Non, tu sais quoi, il a voulu me lancer un caillou, mais il a raté. le nul. Bon, alors, du coup, on a dit qu'on veut du stockage de cailloux et de branches, c'est ça? De branches, déjà. Oh, t'es cool, énorme. Attends, bouge plus. Attends, il faut que je fais un test. Arrête, parce que je connais. Ah oui, c'est trouvé, ok. Alors, on va mettre ça à côté.
la forêt. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on peut mettre tout type de rondins ou que ceux qui sont alors, coupés? Alors, qu'on fasse sécher la viande. Un séchoir, mais oui, ça dure beaucoup plus longtemps. Oh là là, faut prendre la viande. Ah. Ça va être cramé sinon. On peut pas mettre les mini rondins. Ah, et on peut pas mettre cramé. Les... Ah, il y a quelqu'un qui gerbe, je crois, non? C'était quoi avec la viande qu'il a bouffée? Allez. Voilà. Ah, ça, c'est il faut plus de bâtons. Donc, je nous ai mis également une réserve de bâtonnets et une en construction de rochers juste à côté, de cailloux. Ok. Père, merci. Elle est en cours de construction, hein, donc. Ouais. Ah bah il manque un bâtonnet. Ah ouais. Hop là. Bah oui, il manquait un bâtonnet. T'as un gros réservoir de bâtonnets à côté. Oh. Ouais, mais il était vide quand je suis passé, moi. Ouais, je l'ai rempli en fait. C'est ensuite je me dis mais attends. Ben, t'as failli prendre un arbre sur la tête là. Et en fait, il faut plein de réserves de. Oula. Il faut plein de réserves de rondins. Ouais. Bah pour l'instant on les utilise de toute façon pour construire mais par la suite ça va nous être utile je pense. Ouais Maïmé tu m'as fait tellement peur. Faut voir si on peut pas se faire le traîneau aussi à rondins là quand on va commencer à aller plus loin. Ça c'était super pratique aussi. Super. Je vais faire un lit dans la maison. Il en faut un ou cinq? Il me semble qu'un seul, seul normalement, ça hein. D'accord. On serra. Hein. Ah, allez, moi je vais avec toi, Teco. Je sais pas dans quel sens ça doit être. Comme ça. Être comme ça. J'improvise maître du parcours pendant ce temps-là. Trop fort. Cet homme sait tout faire. Si je prends un nap sur la figure, c'est je crie. Hein. Pour une fois, ça sera pas moi. Ouais, il manquera pas. Qui crie ou qui prend un arbre? C'est pas faux. Qui fait tomber l'arbre? Réserve de bûche, réserve d'os. J'ai pas fait la réserve d'os encore. Mais on n'a pas vraiment été attaqué, on est tranquille. Non, non, ça va. C'est le premier jour. Ah, tranquille. Et alors, on n'oublie pas de sauvegarder, je sais pas si oui, ça donne. J'ai sauvegardé, moi. Okay. Ça sauvegarde personnellement ou pour le serveur? Je pense que c'est personnel. D'accord. Bon bah du coup maintenant finir la maison, c'est notre objectif. J'ai pas trouvé le truc pour bouger les paquets de bûches, Maïmé. Est-ce qu'on peut le fabriquer si tu poses plein de bâtons par terre? Peut-être. Alors attends, hop. Alors, on vient de se rendre compte qu'on a une veste tactique dans l'inventaire, tous, donc portée. Je me demande si c'est pas celle qui est équipée par défaut, Dan. Ah, d'accord. Et vous avez trouvé la carapace de tortue? Non. Oui, en haut à droite. En haut à droite. Oui. Ah, là où. J'ai pas la veste. Ah, faut aller la chercher, bien joué. Okay. Ah si, la veste aussi, faut aller la chercher. Ah, et on peut pas la mettre dans le truc de craft, la carapace, pour... Ouais. Okay. Bah c'est quoi, moi je la drop ici. Ah bah non. Bah si. Dire que dans le manuel, il n'y a rien pour créer le réservoir. Ah, il doit y avoir. Hein. Attends, je m'y attelle à trouver. Allez, c'est ton job. Alors, Google. Le gars qui a... Je suis attaché dans la maison. Par contre, je vais mettre un piège à poisson. Juste pour voir. Alors, on va fermer là. Et les coupeurs de bois, là, on en a besoin de beaucoup plus. Bah, entre ceux qui coupent plus qu'ils construisent la maison, parce que tout le monde fait mumuse, hein, n'est-ce pas, les gens? Moi, je suis pas mumuse, j'essaie de vous faire un truc pour avoir de l'eau. Oui. Attention. Timber. Et on voit plus grand-chose, hein. Non. C'est corse. Ouais, il va être temps d'aller dormir parce que là, clairement, on est dans un trou noir en dehors de notre blacklight. Hop. Donc, je fais dodo. Ah, il faut que tout le monde vienne pour dormir, d'accord.
Donc il faut pas qu'il y ait un intrus dans le groupe et qu'il prétend qui qu'il est n'a pas là. Mais on est que 2 sur 5, hein, donc même au final, ok, 2 sur 5, 3, ah, moi ça m'a retiré. Qui être. Ah, il n'y a plus de place. Si, c'est bon. Bon, on s'empile sur le lit là. Allez. Oh, ah ouais, différent, purée. Ça fait. Ah, la nuit, incroyable. On incroyable, peut peut-être sauvegarder aussi. Ah oui, sauvegarder. J'ai tellement bien dormi. Ouais, tellement bien dormi, tous l'un sur l'autre. Ouais. J'ai senti de drôles d'odeurs hein, pendant la nuit, mais. Ouais, ouais, non, clairement, il y en avait un qui était pas dans le bon sens. On sentait ses pieds. Alors, le tour, on le fait comment Est-ce que vous avez des trucs pour boire Je suis morte de soif, j'ai rien à boire en fait. Pareil. Ah, j'ai pas d'eau, effectivement. Et là, on peut Xav, t'as toujours pas trouvé où est-ce qu'on peut faire les raisins. Bah, falloir... Dans l'eau, peut-être. Ah non, il faut trouver un petit lac. Ouais. Ouais, ça veut dire qu'il faut qu'on se trouve un ruisseau, alors, en attendant. Allez, si tu regardes sur le GPS, il y en a un juste au-dessus de nous, là, un petit peu, quand tu remontes vers le continent. Là, je suis en route. Ah, bah tiens, il y a plein de rondins, là. Du monde qui est venu couper, là. Il est où, Xav? Ah, il est trop loin, zut. Je suis en train de parler à l'autre qui a 50 000 bâtons sous le bras, mais il faut qu'il arrête à un moment donné, il faut qu'il arrête. Mais faut lui dire de les ramener à soit à nous ou de lui dire ici, tu vois. Suis-moi, ramène les bâtons ici, tu lui donnes l'ordre à partir de l'endroit. Ouais, moi j'ai mis ramène les bâtons, mais il est trimballe sous le bras. Hein. Et moi je suis Teco. Ouh, je suis Teco. J'ai trouvé un écureuil. Ah bah tue-le, ça fait de la viande. Ah bah super. Bah, je croyais que c'était un lac ça. Un lac ? Ah si, là il y a un lac. Ouais, juste derrière toi. Ah, il a réussi. Ah. Voilà, personne n'a fait pipi en haut du ruisseau, non, c'est bon ? Ok. Vous avez été pas là ? Ces idées, toi ? Non, parce que je me vois bien boire et il y a quelqu'un au-dessus qui est en train de... Ouais, voilà. J'avoue. Ce serait rigolo. Bon, bah alors du coup, on rentre et on trouve comment faire ce toit. Ouh, un autre. Vous avez trouvé où boire du coup je ouais, ouais. Ah bah... ouais, on a. Appuie sur... Si tu veux me rejoindre, ici. Ouais, appuie sur P pour avoir le petit téléphone avec le GPS et tu vois bien les ruisseaux et tout qui est à côté. Ok. Ah, okay. Ici. Dans l'eau ? Non, là derrière. Ah. C'est un peu planqué. Ah ouais, si tu te mets devant moi, je vais vers la droite, t'es cool, vers la droite, je vais vers la gauche. alors. Oui, d'accord. Ah, il y a des cannibales devant moi, ils sont... Vous êtes tous vers le point d'eau ? Oui. Ok. Bon, j'arrive. Là, je me tourne pour de vrai. Ah, on a trouvé comment faire le toit. Ah, c'était pas évident. Il y en a un qui est là. Oh, là là, oh, le tronc que t'as pris. Ah, c'était un tronc. Ah, t'as pris un tronc. C'est Teco qui t'a lancé, je crois. Ouais, c'est parce que j'ai sorti ma lance pour tuer le... Ah ouais, bah ça... Ah bah dommage collatéral. T'as fait un strike, mon gars, il atterrit pile sur sa tête. Magnifique. Le problème là, sinon, je me dis pour le toit, c'est que il faut un poteau partout en fait. Ouais. Ah ouais. On peut pas. Ah, peut-être qu'on peut juste en faire un. Peut-être faire le toit et retirer les supports, voir ce que ça donne. Ah, on peut essayer de retirer un support là, ouais. Déjà, on finit le toit et on voit. Ouais, et si, on peut... si tu veux, avant de le finir, on peut essayer okay. de. Un segment, je veux dire, tu vois. Ah ouais, d'accord. On ne peut pas boire de l'eau quand on a la lance en main. Voilà. D'accord. J'ai pris la hache et là j'avais l'interaction, donc au cas où, si jamais vous galérez comme moi, les gens, voilà. Good news. Voilà. Mais c'est bien dans son inventaire, ça drop les bouches. On retourne auprès des gars. C'est bien fait, quoi. Okay. Le gars, il sort un inventaire complet, donc c'est normal. Et gars, donc, tu veux qu'on mette une petite bûche là au milieu ici? Ouais, vas-y, ouais. Et maintenant on retire les supports, voir ce que ça donne. Ouais. Oh. Oh. Ça tient. On a la technique. On a la technique. Excellent. C'est quasiment classe. Ouais. Et là. Quasiment, comment ça, quasiment. Extrêmement. C'est notre création. C'est. Oh, il est hyper stylé lui. Eh, venez voir. Il y a un quête. Non, pas. Alors, surtout pas. Il y a Cannibal qui est vraiment trop stylasse. Et il a. Il va prendre Angel, si cher. Angel, elle fonce aussi. Et allez, ça part pour les
Allez, faites-le cramer. Ouais, exactement. Pour les os, là. Allez, pan. Ah, j'ai peut-être raté le feu, là. Non, ça a l'air d'être bon. Ah, c'est bon. Et moi, il me dit que je suis fatigué, tiens. Ah, mais pourtant, on a alors, dormi il y a pas longtemps. Bah, ouais. T'as peut-être trop couru. Alors. Mais je peux pas faire dodo. C'est ça, trop courir. Fais-toi un petit banc et regarde Dan bosser, ça marche très bien. Comment on va faire pour monter? Pour placer le toit? Ah bah là, il y a une bûche pour monter. J'ai mis ouais sur le côté derrière là. Ok. Ah ouais, non mais c'est du super boulot d'équipe ça, mais à deux, parce que voilà. C'est une toute petite équipe. Bah, alors il me dit de build un shelter. Je vais faire ça, mais... Bah c'est ce qu'on fait là, non? Non, mais enfin, il me dit d'utiliser le tarp. Le truc, c'est que le tarp, je l'ai pas. Ah, c'est... bah c'est la... Si, tu l'as, normalement. C'est le truc en haut à droite de ton stockage. Ça ressemble à... Ouais, je l'ai pas. Je l'avais en solo, là, je l'ai pas. C'est rare. Ah ouais, ok, bah je l'ai pas non plus, tiens. Ah bah on a peut-être pas loot le bon coffre, je sais pas. Normalement ça venait avec la truc de secours, non? Il me semble, ouais. Ah mince, mauvais loup. Okay. Pas grave. Est-ce que quelqu'un a dit à Calvin de couper des arbres? Comme ça, c'est moins relou. Bah, je sais pas s'il peut les couper. J'ai l'impression qu'il peut que ramasser. Normalement, on a une interaction pour lui dire de couper du bois. Ouh, je peux pas retirer. Ah, t'écoutes, si tu peux pas retirer un support, ça te laisse pas le faire pour pas détruire ce qui est au-dessus. Oh. Donc ça te met un X rouge à la place. Oh, ok, bonne nouvelle ça. On a besoin de coupeurs de bois et. Oh. Allez, mais moi je te ramène des bûches là. Ah oui, on peut pas enlever ce support là, tiens. C'est marrant. Peut-être avec un coup de hache. Bah, j'ai peur que ça fasse tomber tout ce qui est au-dessus. Ah oui, bah par contre, c'est bon, j'ai réussi à le retirer. Non, c'est qu'il y avait une autre coupe. En fait, j'ai viré une transverse là et tout va bien. D'accord. Waouh, l'arbre il a atterri à 10 cm à ma droite. Ah, par contre, j'avais pas capté, Dan, c'est que on peut pas mettre là les poutres en diagonale. Ah, si, on peut. Ah non, ça les met à plat. J'ai pas l'impression qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut. Je crois que le toit c'est des feuilles ou un truc du genre. Ah ouais? Ouais, parce que quand j'ai regardé le plan d'une maison préfète, le toit ressemblait pas à des planches, quoi. Ah, mais c'est en maison préfète. Est-ce que de notre côté on a la possibilité de faire ça aussi? Je sais pas. Voilà, par contre, le livre de craft avec la luminosité à fond, c'est un enfer. Alors, bah on va tester pour le toit. Apparemment, Xav nous dit qu'il faut bien des bûches. Donc, tac. Ouais, mais j'ai l'impression que ça marche pas des masses là. Alors, bah, tester. Ah, mais j'ai des demi-bûches. C'est bizarre. Tac, tac. Je me dis, est-ce qu'on peut vraiment le faire pentu le toit ou pas? Ouais, regarde, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Nice. Ah, c'est excellent. Il faudrait peut-être une autre bûche en diagonale dans les coins pour faire un triangle, je pense. Alors, j'ai essayé de la mettre, mais je n'y arrivais pas. Alors, On va déjà finir ça et puis après on va. Hop. Donc là, il pleut vraiment beaucoup pour l'instant hein, dans ce monde-là. Ouais, oui. On est apparemment en pleine saison des pluies. Ou l'île est triste qu'on exhabe avec nous. Oh, ah. T'as vu, on peut faire un grenier. Je sais pas si t'as vu ce que j'ai fait. J'ai vu, ouais, je me demandais qui l'a posé là, et j'ai ma réponse. C'était pour la science. Comment on en a vu ça déjà, c'est C. Hein. C'est vrai. Ouais, je sais pas comment faire le coin. Alors peut-être que... Bah non, ça ferait moche si on le faisait... Il doit y avoir un moyen de faire le truc dans le coin, je me dis que ça va être obligatoire. Ah, tout le monde est sur le toit, super. Oh, je vois un petit piège, quelqu'un l'a posé, super. Non, c'est pas moi. Angel, non, c'est pas moi. Donc c'est toi. C'est cool, Angel. D'accord, bah tiens, je vais mettre le mien à côté, c'est une bonne idée. Après, je sais pas comment les remplir avec de la nourriture. T'as pas besoin, ça, c'est en fait, c'est tout seul, ça. Mince, où est-ce que...
rappelle plus où on peut. Je me dis à force, on va vite manquer de nourriture. Bah moi, j'ai vu une mouette, autant dire qu'elle a passé un sale quart d'heure. Je reviendrai là plus tard. Tu laisses tes pieds tranquilles. Hors de question. Alors, oh, le toit devient tout... Ah non, je pensais que c'est de la paille de loin. Non, c'est juste des... Ok. Ok. Alors, on s'est rendu compte d'une chose. On ne peut malheureusement pas mettre de coin. Il faut que ce soit plat. Donc, ouais. Comme ça. Voilà, les bords. Ça prend forme, ça prend forme. Ouais. Alors. Pour l'équipe. Le coupage de bois qui est au taquet, là. En plus. Ça coupe, ça coupe. Vous avez arrangé là-bas, ouais. Plus trans histoire de carapace de tortue quand même, hein. Je le tiens à le rappeler. Oui. Hop, il reste encore une bûche à mettre et après, on va pouvoir finir le toit. Et oui, il y a des bûches à tout. C'est rigolo. Ah, c'était naze. Ah, Dan, il a compris du premier coup. Dan, il est devenu. Il est au taquet toujours. Il a bien pourri là. Oh vas-y, oh Teko c'est génial. Comment tu l'as fait? Ah tu as juste posé. Ah ouais d'accord. Oh. Ouais j'ai placé deux bûches et puis là je... Super. Ah ouais. C'est dommage qu'on puisse pas rajouter une dernière planche là au bout. Après bon moi j'ai tué un écureuil, je me la pète pas autant hein, à un moment donné. Ouais toi écureuil. Films, tortue, vraiment tu vises les créatures les plus faibles. L'homme, bah non, c'est il nous faut subsister. Voilà. Là, hop. Ouh, ça devient bon le temps. On va être protégé de la pluie. Et par contre, ouais, je suis vraiment fatigué aussi. Je pense que il va falloir chasser également. En fait, bah moi là, je mets de la viande dans le feu. Mais c'est énervant de pas pouvoir la faire sécher et tout. Enfin, c'est bizarre, il nous manque un truc. Bah, séchoir. Le séchoir, on peut le fabriquer par contre, ça je l'ai vu. Ah bon? Oui. Mais je l'ai cherché, je sais pas trop. Il s'appelle sèche-linge ou un truc comme ça. Non, il s'appelle. Mais tu vois, t'es quoi? Je viens de mettre la viande dans le feu et elle a jamais changé d'état. C'est bizarre. Attends un peu plus. Regarde, elle va changer de couleur. Elle change de couleur, elle devient plus foncée quand elle est cuite. D'accord. En fait, la tête verte te dit si elle est comestible ou pas, dans le sens où si elle va te rendre malade. Regardez, t'as vu là, elle est devenue sombre. Ok, ouais, bien joué. Hop, j'en taxe une parce que j'en ai besoin. Va falloir faire la porte à un moment. Je remets une viande à cuire. Ah, trop bien. Yes. Ok, et alors Angel a fait un séchoir pas très loin du feu. Ah, super. Bah, je vais voir ça, ce que ça donne. Ah, bon, c'est ça. C'est quatre branches mises ensemble, hein, c'est pas non plus. Ah, là, c'est pas la tour Eiffel, mais bon, voilà, ça fait plaisir. Ah, vous avez beaucoup de boue, vous avez chassé et tout, bah, c'est génial. Bah ouais. Oula. Ouais, je suis pas le seul à avoir entendu ça. Et Kelvin, il ramène les rondins, hein, il assure, Kelvin. Le voir venir avec ses gros rondins sur le dos. Ah, c'est vrai que moi j'ai cassé de l'âme, mais j'ai rien ramené. Hein. J'ai tout laissé en bazar et je suis parti boire. Bah, Kelvin a pris la relève. Ouais, désolé, mais... Ah, ok, il manque un petit morceau encore d'arbre. De toit. Et j'ai pas réussi à remplir les coins, si vous savez le faire, les côtés. Je fais. C'est... Ouais, ça glisse un petit peu. Mais il même pas son tour sur son téléphone. Tu sais que j'ai toujours le GPS à la main, mais oui, je peux l'enlever. Mais... Allez, ça. T'as Dan et ça, il s'est rigolo. Dans ta bûche. Non, pas sur moi, pire. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi l'histoire là du cadavre là bah, regarde la tête qui tire le cadavre. Ah d'accord ouais. Il est vraiment surpris d'être là quoi. Mais tu l'as mis. Mais même c'est super bizarre Dan parce que sur les côtés ouais. Regarde sur les côtés il va y avoir un triangle aussi. Du coup on peut pas le faire.
Ouais, je sais pas, j'ai essayé, j'y arrive pas, je sais pas comment. Il faut faire vraiment une structure cubique, quoi. Là, c'est le haut. On a peut-être pas besoin de les fermer de toute façon, non? Ouais, c'est la pire en. Ouais. Là, tu viens de frustrer tous les gens qui sont un petit peu. C'est ça. Bah, déjà, ça, j'arrive pas à. Non, non, non. Ouais. J'ai entendu que vous avez un nouveau projet. Ouais. On va faire une palissade et ça commence ici. D'accord. Alors par contre là, on va quand même être. Wow, vous êtes ambitieux quand même, hein. Mais toujours Dan. Ah non, vous allez pas entourer, vous allez pas entourer, vous allez juste aller vers la mer, c'est ça, de la falaise. Ouais, c'est ça. Oui. Mais les gars, ils peuvent pas arriver de la falaise. Non, en théorie, s'ils sautent de là, normalement, ils se font mal quand même, hein. Mais on pourra protéger en haut après, quoi. Et donc normalement, ensuite, donc tu vois, là j'ai aligné des machins. Ouais. Et si j'ai bien lu le guide, t'es censé donner des petits coups de hache sur le sommet. Ouais, pour tailler, ouais. Ça les rend pointus. Ah ah. Oh, bravo. Ah, j'ai stressé de rater mon coup, hein, quand même. Alors, bah, je vais faire maintenant la porte ici. Qu'on ait une vraie porte. J'en ai décapité un, Maïmé. Pardon. Ouais, et puis tu pourras faire des. Même peut-être des. Est-ce qu'on peut le remettre fenêtres au-dessus? Des fenêtres, ouais. Ah merde, on peut pas le remettre au-dessus. Oh, pardon. Alors apparemment, les toutes petites bûches là, on peut encore les casser pour en faire quelque chose derrière. Ah oui. On va l'enlever celui-là. Par contre, l'endroit de découpe est très précis. Hein. Le trait rouge, il apparaît vraiment. Ah oui. Et après les toutes petites bûches, du coup, on peut les placer et bon, je sais pas. C'est joli. Pas trop à quoi ça va servir, j'avoue. Ah si, ça fait une sorte de petite pile de bois. Peut-être qu'on pourrait y mettre le feu. Est-ce que je peux passer ? Non, encore une. Voilà. Bimba ! Attention, Maïmé. Non, c'est pas bon. Tu m'as fait peur, tu t'es retourné pile dans le sens de l'arbre qui tombait. C'est comme j'étais dos, en plus je savais pas dans quel sens il tombait. Ah, ok, non, je vais retirer ça et on va plutôt le mettre comme ça. Ah, j'aime pas là les araignées qui sortent dessous les rochers. Ah, la porte est forcément comme ça, d'accord. Tu avais retiré le côté araignée. Il y a un mode arachnon dans le. Ah. Ah oui, tiens, on pouvait pas la crafter dans l'autre sens. Ouais, j'ai essayé, bah essaye si tu veux, mais j'ai pas pu. Maïmé, est-ce qu'on peut dégommer les souches? Ouais, je suis en train. Parce que là, il y a deux souches à côté de la palissade qui me bloquent dans ma progression. Allez, vas-y, tiens. Voilà, c'est bon. Si, merde. Alors, les fenêtres, c'est quoi? C'est deux cases ou c'est plus? Ouais, donc on met une fenêtre, mais je n'ai pas trouvé de moyen de mettre des planches pour fermer les fenêtres. Il est possible qu'il faille une plus grande fenêtre, mais j'ai peur de couper trop. Il me semble que dans The Forest, pareil, on peut pas calfeutrer les fenêtres, en fait. D'accord. Je vais pas le décapiter, lui. J'ai bien aimé Xav. Tu l'as eu? Ouais. Ouais, Merci. Je l'ai, celle-là. Parce que pour le coup, Dan, il l'a pas eu. De quoi? J'ai raté une blague pourrie. Ah, je suis concentré avec ma fenêtre, moi. Ok, je te mets ça là, je te laisse... Je vous laisse faire ça. Oh, c'est pas mal. Donc, Maïmé porte les rondins et Xav vient juste donner le coup de hache final, c'est ça? Ah bah, écoute, c'est le plus dur, hein, j'ai envie de dire. Ok, je sais pas ce que t'as planté. Oh. Ah, il y a une dinguerie là, Maïmé. On a planté en même temps, en fait. Eh, mais ça veut dire qu'on peut en faire des super hauts, des... Je sais pas, je vais l'enlever quand même. Bah, je dirais que là, ils peuvent pas sauter par-dessus. Hein, Ah, là, c'est sûr. Mais ils peuvent grimper, par contre. Ils peuvent quand même escalader, en fait. Ah, mince. C'est pour ça qu'on va combiner la palissade avec des pièges après, devant. Là, qui vient nous voir, elle est gentille. Elle... Ah. Oh, elle marche sur la pointe. Elle a vu Xav, elle a fui.
Reviens, madame. Ouais. Non, mais alors, dans ma partie solo, j'avais essayé de la tuer, et en fait, elle arrive au sol, tu peux l'aider, genre la relever, mais elle se remet à fuir. D'accord, bah si des gens c'est savent, super. Qu'ils nous disent comment la recruter, parce qu'on nous a dit qu'elle est recrutable, donc on est intéressés. Peut-être qu'au fur et à mesure, elle va se rapprocher de nous, comme les autres mutants, et qu'on pourra en faire notre pote. Ah, j'ai pris feu. Être. Trempette, trempette. Ok. Et je crois comment ça fait et j'ai perdu les deux ronzins que j'avais sur moi. Bon bah oui, ils sont partis. Ah mais il y a plein de rondins dans l'eau en fait. Il y en a qui roulent et il y en a certains qui portaient les rondins quand ils sont allés faire trempette parce qu'ils avaient pris feu. Hop, alors je vais tester le séchoir pour la première fois. Ah. Ok, je l'ai mis dessus. Oups. Par contre, ça redonne pas beaucoup de faim la viande sur le séchoir. C'est pas pour dire. Mais elle est pas séchée, c'est pour ça. Ah mince. Bah ouais, mais pose-toi les bonnes questions. Ah, ça met du temps. Ah mince, d'accord. Bon ben. Par contre, tu peux la décrocher et la faire cuire. Comment tu la décroches? Bah tu fais juste E, mais sans rester appuyé. Tu fais juste un petit coup de E comme ça. Ouais, ce que je vais faire parce que j'ai besoin de. Autour du camp, il y a plein de buissons à baies aussi. Ça redonne pas grand chose. Ouais, mais ça permet de pas mourir de faim. Même sur la route pour aller chercher de l'eau. Ah, et quelqu'un a fait un plantoir de baies. Oh. Oui. Moi, c'est co. Un travail coopératif. Elle a crafté, j'ai planté les baies. Moi, j'ai regardé. Alors, moi, tant te dire que certains ont fait plus d'efforts que d'autres. Mais bon, c'est... toujours pas bon. Vous avez soif. Mais je suis au courant. Donc par contre, faut attendre bien plus longtemps, hein, Dan. Ça, c'est pas comme la viande. Qui cuit, ouais. Si t'es sur le séchoir, ouais, c'est. Bah, j'ai bouffé quelque chose cru, mais je crois que c'était partiellement séché. Mais. Non, c'était partiellement rien du tout. C'était 100% cru. J'étais à côté, j'ai tout vu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? En plus, il se plaint que ça donne pas beaucoup de bouffe. Sinon, j'essaye de faire un escalier. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Il y a le plan d'un escalier, mais bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je voulais faire un deuxième étage pour Xav pour son grenier, mais ouais, bon. Bah ouais. Tant pis. Ah, c'est pas mal. Alors, du coup. Allez, je suis fou dans l'eau. Elle est à la base. Ah, bonjour, madame. Un arc artisanal. Allez, je vais me faire. Et tu vas kiffer l'animation de craft des flèches, Dan. T'annonce qu'elle est. Elle est étonnante. C'est que j'aurais pas fait comme ça, moi, mais. C'est vrai que t'es un pro, tu l'as fait quand t'étais perdu sur ton île, ça. Donc. Bah non, c'est pour ça qu'on dit que je suis une flèche. Faudrait qu'on se fasse un ou deux nichoirs aussi pour récupérer des plumes facilement. Enfin, si on peut toujours faire des nichoirs, hein, vu qu'on peut. Oui, on peut. Oh, j'ai trouvé des champignons qui sont nickel pour toi, Dan. Ils sont rouges avec des petits points blancs, c'est ça? Non, ils sont blancs avec des grosses zones rouges. D'accord. Bah, je viens goûter, j'arrive. Ah, j'ai trouvé de l'aloe vera, ça, il me semble que c'est cool ça. Ah, c'est pour soigner ça, non? Ouais. Des médicaments. Nos petites baies qui commencent à pousser. Oh, l'écureuil. Et ça part sur une chasse à l'écureuil. Il part ici. Il est mort. Hein. Tant vous dire que c'est. Ouais, je vais aller mettre en chasse aussi, tiens. Alors. Hop. Je lui ai mis ce qu'il méritait. Je vais aider Maïmé à couper les arbres. Parce que là, Xav, il m'a complètement abandonné dans le projet barricade. Hein. Non, je tiens à le dire. C'est pas vrai du tout. Je suis. J'avais soif, plus d'eau. Dit le gars qui vient dire: oh bah tiens, je vais aller chasser là. Mais non, mais sur le chemin, il y a un écureuil. Je ne peux pas ne pas le. Oh, un lapin! Bon sang de bois, ce que je vais lui mettre. Eh ben, il m'a largué. Ah, il est là-bas. Oh, il est poursuivi par un autre lapin. Vous avez dit quoi? Il y a un cannibale, il a un moteur de bateau dans les mains et il essaie de nous tronçonner avec. C'est énorme. Attendez, faut que je vois ça. Vous êtes loin? Mais il tronçonne là. T'as vu, il a tronçonné. On est plus ou moins loin, ouais. Oh non. Oh là là. Et c'est toi, Xav, qui disais que t'étais à fond dans la construction? Mais non. Mais en fait, mais j'étais à fond, et sauf que sur le trajet, bon.
un écureuil, un lapin, et Teko qui me dit, il y a un mec qui secoue un truc. Je vais voir. Donc forcément, intrigué bon, comme il est. De là à dire que c'était un moteur de bateau, bon, j'avoue que je m'y attendais pas. Wow, il va me découper, il va me charcuter, ouais. J'ai vraiment un point de vie, quoi. Laisse-moi prendre des petits médicaments et je suis tout à toi. Et il est mort. Il est tout simplement décédé. Oh, j'arrive. J'arrivais. Et alors, t'as récupéré le moteur ? Vous avez pas pu le laisser vous tuer pour que je puisse le voir ? Non, mais le moteur est encore en train de tourner. Le moteur est encore là. Si tu veux avoir le moteur, c'est pas un problème. Il y a Kelvin qui est sur le chemin, qui essaie de vous rejoindre. Il est boudan, je vois. Oh, il y a un cannibale qui a fait un saut de... Oui, j'ai vu. Un pirouette. Regarde. Là, tu vois le moteur, Van ? Ouais, je le vois, ouais. Et bah, il brandissait ça, il essayait de nous tabasser avec. Aïe, t'as failli me tuer ! Moi ? Oui, arrête de le taper. Je t'ai pas tout à fait voulu. Bonjour, je suis un cannibale. Mais, on peut pas le mettre dans le moteur. Bah, je sais pas, moi je. Oh, la bonne viande qu'il y a là, bon repas. Et regarde, Dan. De là ? Fais un petit. Se prendre un peu de repos. Dan, regarde, c'est à côté. Ouais. Oh purée. Ah mais c'est vraiment de la bonne viande. Bon, je vais boire. Hop. Et donc ce moteur on peut pas le récupérer quoi. Bah, j'ai pas réussi, peut-être toi tu y arriveras mais. Non moi, mais Vous pouvez récupérer des choses. Ah oui, il y a des coffres là. Ah Dan, tu nous attends pas, hein. Vraiment t'es un creux. Bah c'est il y a un autre moteur là si tu veux. Ah. Il y a des mouches aussi, hein. Eh, t'es passé là avant ? Ouais, c'est... Ah, c'est très bon ça. Le tissu là. De la thune, ça y est. Ah, t'es riche. Bon ben. Ça fait plaisir. Ah, de la corde, c'est ça que je voulais absolument depuis tout à l'heure. On a pas mal. Ah, il y a un gars qui est attaché. Il y a un gars qui est attaché, il est vivant. Ça. Là ? Mais non. Ouais. Ah ouais. Faut le détacher. Attends. Bah, comment tu vas le détacher ? Je te regarde faire. regarde, coup de lance. Ah ok. Non, regarde. Regarde l'artiste. Ça va partir. Ça va aller très très vite. Hop. Oh. Ok. T'as vu ? Attends. Ouais. Il me charge là. Il me charge complètement. C'est mon pote, il est téléguidé. Ah, il attaque, il attaque même. C'est pas grave, laissez-le en vie, ça nous portera chance un jour. Oh. Alors lui, je vais tester mon arc sur lui, ça va aller très très vite. Vas-y. Dès que je trouve mon arc dans mon inventaire. À gauche. 30 secondes plus tard. Par contre, je me dis, on s'est tellement fait défoncer par le gars que dans les grottes, ça va être... Oh là 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 là! Oh, on m'appelle le sniper! T'as pris mes flèches. T'as pris ma flèche. J'avoue, je t'en ai pris. Bon, on va aider Maïmé qui bosse toute seule sur la palissade. Ouais, mais Maïmé, c'est la Voilà, elle a bien avancé, du coup. Je suis presque à la plage. Enfin, j'arrive à la plage. Moi, je vais retourner sur la chasse, là. Par contre, je n'ai pas trouvé de... Pour la palissade. Ah. T'as pas trouvé de quoi? De porte, ça ? Ouais, j'ai pas trouvé de porte pour la palissade, c'est un peu ennuyeux. Je sais pas si du coup on doit laisser un trou au milieu de ça, quoi, c'est bizarre. Voilà, je vais être par là quand j'avais. Pas descendre par là, moi. Il y a quelqu'un qui a mis une gigapuche dans le feu, c'est énorme. Je crois que j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Plus taillé. Alors. Je sais pas comment Xav faisait pour tailler, c'est pas grave. Pour tailler le haut des. En gros, faut que tu vises le sommet des trucs jusqu'à temps que tu vois deux traits en diagonale. Ça me plaît pas, on va l'arrêter. Là, je pense. Alors là, je vais vous impressionner. Ah, ça sent bon. Ouais, c'est du tout bon ça. Il a l'air pan. Normalement, je suis impressionnant à ce stade-là. Je sais pas ce que t'as fait. Madame.
Bah déjà, je vais me nettoyer un petit coup dans la flotte parce que je suis couvert au sang. Ouais, c'est... Ok, donc on vient jusque là. D'accord. Ouais, mais après je ferai... En fait, comme je sais pas... pour l'instant, j'ai pas trouvé comment... Où faire la porte. Faudrait quand même qu'on ait un espace pour pouvoir rentrer. Bah, parce que là, c'est relou. C'est un peu pénible, sinon. Bon, on peut faire une tour de guet. Ouh. Ah, fais gaffe à ce que tu dis. Alors. tiens, Dan, est-ce que je suis impressionnant ? Attends, est-ce que t'es impressionnant ? Ah, c'est ton. Un blouson, c'est ça ? Non, c'est pas un blouson. C'est quoi qui est impressionnant ? C'est pas une armure, sûrement ? Non, t'as rien du tout, t'as juste un blouson, un pull ou je sais pas quoi. Bah, sache-le, j'ai une armure d'os sur moi. Ah, sur ton bras gauche, ok. C'est genre. Un garde-bras, tu sais. Ah ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout, oh, ouais. Oh, le nul. Bon, bah on du coup... plusieurs. Du coup, ah, la mademoiselle est là. On va s'arrêter là pour cet épisode, vu qu'on est, on a bien progressé. Ouais. Donc, bah, on vous souhaite une bonne petite journée à tout le monde. On vous dit à bientôt. On continue, bien entendu, sur l'aventure. J'espère que ça vous plaît. Donnez-nous des conseils, parce que même si on a des pros du premier The Forest dans le groupe, le jeu a pas mal changé. Il y a certaines choses que l'on découvre ensemble. Allez, bye bye. Des bisous, tchou tchou. Salut, salut. Tchou tchou.